Rodin. Arwen. Qui est-ce? Il disparaît. C'est une elfe. Cela fait 2 jours que je vous cherche. Où est-ce que vous l'emmenez? Il faut le mener à mon père. Frodo Fir, Ayatra Donir, Turgeith Ninberiathan. Non, je ne les crains pas. Baseline. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Le Seigneur des Anneaux version Lego. Donc comme vous voyez, nous avons rencontré Arwen, qui est une elfe. Voilà, et elle va nous mener à son peuple pour pouvoir guérir Frodon, puisqu'il a été blessé par une lame de Nazgûl. Donc c'est parti, on y va, on accourt. Elle est tellement belle cette scène dans le film avec avec les chevaux comme ça d'eau là. C'est trop beau. Et comme on le voit au loin, nous arrivons à Fondcombe. Ville que nous connaissons déjà puisqu'on y va aussi dans le Hobbit. Yep. Où suis-je? Vous êtes dans la demeure d'Elrond. Gandalf. Oui. Je suis bien là. Que s'est-il passé, Gandalf? J'ai été retardé. Qu'un seul seigneur de l'anneau. Et il ne partage pas ce pouvoir. Frodon! Frodon! Sam! Miséricorde, vous êtes réveillé! Sam est resté à votre chevet. Grâce au talent du seigneur Elrond, vous commencez à vous remettre. Bienvenue à Fondcombe, Frodon Sacquet. Donc voilà, nous sommes enfin à Fondcombe. Je pense que c'est l'une des plus belles villes de l'univers du Seigneur des Anneaux, quoi. Je la trouve super belle, puis la musique et tout, bref, c'est trop joli. Donc, comme vous avez vu, Gandalf a pu se libérer. Encore une fois, grâce aux aigles, puisque dans le Hobbit, à un moment, les aigles nous sauvent du méchant, là, de Azog, qui nous pourchasse. Donc là, si vous savez l'histoire du Frodon, de Frodon et du Seigneur des Anneaux, vous savez très bien ce qui va arriver par la suite. Qui nous allons rencontrer et que va-t-il se passer et qu'est-ce qu'on va décider, puisque pour l'instant nous sommes juste le porteur de l'anneau pour l'amener ici et après c'est à eux de prendre la décision de ce qu'on doit faire de l'anneau. Ou alors ce que l'anneau doit. Où doit aller l'anneau et voilà, qui doit s'en charger tout ça. Donc voilà, on va aller. Oh, j'ai plein de frises, c'est chiant. Waouh, on se calme. Peut-être c'est l'eau. C'est peut-être l'eau qui fait ça, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Oh, mais c'est la galère là, c'est horrible. Ouais, ça devait être l'eau. De toute façon, on y est presque. Bon, bah, comme d'hab, hein, je n'explore pas trop tous les trucs à côté. Mais vous doutez bien qu'il y a plein de quêtes annexes aussi à faire là. C'est parti! Étranger venu de terre lointaine, ami de toujours,
Vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. Qu'attendons-nous pour le faire? Cet anneau est un don. Un don fait aux ennemis du Mordor. Pourquoi ne pas s'en servir? On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau unique ne répond qu'à Sauron. Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là? Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. Le Gondor n'a pas besoin de roi. L'anneau est totalement maléfique. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Nous venons aussi. 9 compagnons. Vous formerez la communauté de l'anneau. Bilbon! Prends-la, tiens. Du mithril. Aussi légère qu'une plume. Et aussi dure que les écailles d'un dragon. Ma vieille épée d'art. La lame devient bleue lorsque des orques sont proches. Et sache, mon garçon, qu'à ce moment-là, tu devras être extrêmement prudent. Le porteur de l'anneau prend la route en quête de la montagne du destin. La communauté attend le porteur de l'anneau. Mordor, Gandalf. C'est à gauche ou à droite? À gauche. On voit Aragorn qui dit au revoir à Arwen. Sa chair est tendre. Et du coup, on a débloqué Arwen. Donc voilà le fameux conseil où il y a un peu toutes les races représentées pour pouvoir discuter de ce qu'on va faire de l'anneau. Et donc Frodon de lui-même a décidé de s'occuper de l'anneau et du coup tous les représentants de chaque race a voulu l'accompagner, dont Legolas, mon chéri d'amour. Il y a Gimli le nain qui est d'ailleurs le fils de Gloin, qui est un nain qu'on joue dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Boromir qui vient du Gondor puisque son père est l'intendant du Gondor, il n'est pas le roi. C'est pour ça qu'à un moment il a fait une remarque assez déplacée vers Aragorn, puisqu'Aragorn, on va savoir sûrement, je sais pas s'ils vont vraiment en parler, mais je pense que oui, parce que Seigneur des Anneaux, ce n'est pas que Frodon, il y a aussi toute une partie avec Aragorn. On va savoir d'où il vient, et ses ancêtres et tout ça, et son rapport au Gondor justement. Il y a forcément Gandalf et forcément nos amis les Hobbits qui viennent avec nous. Donc voilà, on a tous décidé d'aller ensemble au Mordor, là où Sauron est, et aussi où d'ailleurs est la montagne du Stein pour pouvoir détruire l'anneau. Donc pour l'instant tout va bien, on est tous ensemble, on est tous motivés. Ouais, pourquoi je dois changer ? Pour viser un rocher. Ah, là ? Ah oui, parce qu'il fallait là. Ok. J'allais aller de l'autre côté. Ah ! Ah, c'est frise, ça me saoule. Ouais, et ça servait à quoi que je frise ça ? Ah oui, d'accord, c'est pour casser ça. Yeah ! Oui, parce que forcément, ils aiment pas l'eau. Alors qu'il y a 5 cm d'eau. Ah, non mais, voilà, merci. D'ailleurs, c'est qui votre personnage préféré du Seigneur des Anneaux? J'aimerais bien savoir. Si vous êtes comme moi, vous préférez Legolas,
si vous êtes plus Aragorn, si vous êtes plus Gimli, si vous êtes plus Gandalf. Après, ça m'étonnerait qu'il y ait certains qui soient pour Frodon, mais bon, c'est possible après. Ah, donc vous voyez le changement de truc, on a au col de Caradhras, qui est la montagne tout enneigée. Voilà, d'ailleurs il neige. Donc il y a vraiment un changement de décor très vite. Parce que forcément ils peuvent pas trop faire toute l'histoire et tout le voyage en temps réel, logique. Il faut passer par le col de Caradhras. Boromir, rendez l'anneau à Frodo. Donc on voit déjà que l'anneau a ses petits effets sur certains d'entre eux. Ah oui, il y a tout le passage là. Oh, ça c'est chiant. Vous voyez, il va falloir que je porte les personnes petites. Genre, oui. Mais si c'est une personne petite. Dans les endroits enneigés comme ça, parce que sinon ils peuvent pas trop passer. Donc là on va changer puisque... Oh non mais j'ai plein de frises, ça me saoule. Voilà, on récupère notre petit nain. Ça nous rappelle le Hobbit. Donc là, on va devoir tout se débloquer. Ouais, j'aimerais bien taper. Ah oui. Voilà, donc j'ai déneigé la partie enneigée du coup. Donc ils peuvent passer. Et là, je suis censée faire comment ? Ah, faut le lancer, ok. C'est cool ça, je peux le lancer. Hop. Yeah. Génial. Alors là, c'est qui va devoir y aller? Le problème c'est ça, c'est que c'est toujours à la... quand on y est, on sait quelle personne je dois prendre. Ok, donc là, il n'y avait pas besoin. Ok, donc c'est pour nous aider à grimper. Allez, grimpe. Allez. J'avais du mal. Allez, viens là, toi. Un peu miskin quand même, hein. De devoir le porter comme ça, là. Je pense que c'est lui qu'on va avoir besoin à chaque fois, donc c'est lui qu'on va porter à chaque fois, parce que sinon... On va pas s'amuser à tout porter tous les hobbits, parce qu'ils sont 4, alors voilà, quoi. Si on peut se les lancer de personnage en personnage, voilà. Hop. Encore une fois, ça va être un peu répétitif à ce moment là, il n'est pas trop passionnant. Hop. Ok, il faut que je reconstruise, ouais, ok. Donc vous doutez bien que sur la route on va se taper plein de choses. On va se retrouver face à face avec plein d'ennemis. Hop. Ça va faire tomber les pierres, voilà. Ouais, sauf que là, il va falloir que je shot. Je suis petit, moi. On va prendre lui, hein. Parce que, ouais, voilà, bah d'accord, il n'y a pas sauté. J'appuie sur A, pourtant. Je sais que vous pouvez pas vérifier, mais je vous assure que si. Allez, on y va, les enfants, on y va. Donc là, ça va être dégueulasse. Il n'y avait pas ce truc-là à péter. Non, ok. Ok, donc là, les gogos. Hop là. Au boulot. Je peux pas viser les trois. Ah si. Je n'ai pas visé le dernier. Hop. Du coup, on peut grimper là. Cette phase super longue où ils avancent deux à l'heure. Allez. Ah, il faut faire du feu. Ouais, il va falloir faire du feu pour le feu du bois.
aussi, il y avait les squelettes à casser, il me semble. Il me semblait qu'il y avait des squelettes à casser pour avoir un truc. Hop, encore. Et je suppose que le dernier va être là. Ce que j'aime bien avec Legolas, c'est qu'il a aussi une épée. Il peut se battre aussi au corps à corps. Plutôt cool. Voilà. Ça, c'est Sam. Hop, toujours. C'est vrai que Gandalf peut pas allumer un feu avec son bâton. Voilà, et ça nous servait à quoi? Ah, ça servait à construire un truc. Oula, 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 oula. Ouais. Ok, j'ai eu peur que ce soit lui qui soit envoyé. Je vais aller me dire, ouais, qu'est-ce qu'il va faire lui? Non, mais ça, je vais pas y arriver là. Ah, ok, faut grimper comme ça. Ah, mais là, j'ai pas les trucs. Tu peux pas sauter? Grimpe dessus. Ah, mais non, mais grimpe dessus! Fais du. Mais non, mais wesh. C'est comme ça qu'il faut passer? Mais on est censé récupérer comment les trucs? Bah voilà, je l'avais dit! C'était pas comme ça. Bon, wesh. Laisse-moi. Voilà. Hein? Laisse faire les grands. Mais non! Pourquoi ils veulent pas? Grimper dessus, bordel! Mais non, mais. Oh, mais. Bon, vas-y, les goulasses. Je suis sûr, y a que toi qui peux le faire. Comme t'as. Voilà! Je l'étais sûr! Ah, parce que lui, il est léger, vous voyez? La corde, elle s'enfonce pas. Et heureusement que t'es là, mon gros. Heureusement que t'es là. Y'a que toi qui peux tout faire, quoi. Hop. Hop. Et du coup, là, je suppose, voilà, on va t'inciter. Je suis sûre qu'il y avait une histoire avec... Et là aussi, il y a un truc, hein. Pour le nain. J'espère qu'il... Bah, je sais pas s'il pourrait y aller, du coup. Ces trucs-là, là. Je l'avais dit qu'il fallait les casser. Bon bah tant pis. Hein. J'ai l'habitude, on passe toujours à côté. Hop. Bon là t'as pas trop le choix de. T'as pas trop de chance de tomber, donc ça va. Du coup, hop. Ah ça leur donne une corde. Ok, allez au boulot. Du coup, faut que j'aille où? J'aille à gauche ou à droite? Ah, faut que j'aille là. Vas-y, vas-y, je te porte. En plus, il se supporte pas. C'est rigolo. Et suive. Ok. Ah, je crois qu'il y avait ça aussi. Il y a les... Voilà. Et je crois que ça, on va aller juste les avoir maintenant. Ah, encore une fois. Allez, viens, toi. Je te porte. Alors regardez, lui il est tellement léger. Ah, qui passe au-dessus. C'est la classe, non? C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il va donner? Ah, vous attendez? Moi je sais qui c'est. Ok, là faut mettre le feu. Ok, allez Sam. Bah il y va direct. C'est bien, hein, c'est bien élevé. Allez. C'est Saruman. Eh oui, Saruman. Saruman, pas gentil. J'aimerais bien. Ouh là là. Donc là, on va devoir esquiver les rochers qui nous tombent sur la face. Et où? Slalom, slalom, slalom. Et là? Ouais. Je suis censé faire comment là? Oh bah bien sûr. Ah ok, bah heureusement que tu m'as suivi toi. Et là, il y a un truc.
C'est pas Gandalf qui peut faire ça? J'essaye, hein. Ok, bon, bah, tant pis. Oh, j'ai encore des frises. Oh, c'est horrible. Oula, mais le jeu, il galère. Ah ouais, il faut que quelqu'un me lance aussi. Ok, il y avait juste besoin qu'on te lance. Hop. Hey ouais, mon gars. T'allais s'accrocher. Y'a un truc à construire? Y'a pas un truc à construire là? Oh, ok. Viens là, toi, je suis sûr qu'on va avoir besoin de toi encore. D'ailleurs, y'a un truc au-dessus là, mais je sais pas. Je pense pas qu'on ait un personnage qui ce qu'il faut. Ah, là, bien sûr, il fallait Sam, Mary, Pippa. Je sais plus. Je sais plus qui a une pelle. Alors, Sam, est-ce qu'il a une pelle? Non, c'est pas ça que je dois faire. Non, lui, il y a pas ce qu'il faut. Là. Mary et Pipin. Y'a pas. Lui, est-ce qu'il y a? Non, lui, il y a une canne à pêche. C'est qui alors qui a une pelle? Ah, c'est lui, ok. Mais non, mais accroche-toi, espèce de débile! Et pourquoi eux ils arrivent à sauter? Ah, ok, tu peux sauter. Tiens, du coup, y'a quelqu'un de l'autre côté? Non, y'a pas quelqu'un, donc je dois te porter. Allez, viens. Oh, ça là, y'a l'autre qui hurle. Non, pas toi, pas toi. Oui, vas-y, creuse! En tout cas, je suis désolée pour tous les freezes parce qu'il y a des moments où c'est insupportable. Mais là, franchement, je vois pas ce qu'il peut faire de gars par la neige. Bon, faut peut-être pas abuser non plus. Parce que c'est juste de la neige, quoi. Eux, on pourra pas. Là, c'est pas toi que je veux. C'est lui. Voilà. Allez, vas-y. Faut attendre qu'il revienne. Voilà. Allez. Tu peux le faire. Ok, donc eux ils peuvent passer. Mais il me faut quand même lui pour qu'il creuse. Et ça va servir à quoi? À reconstruire un truc. Ah, d'accord, ok. On parie combien que je tombe? On parie combien que je tombe? Eh, vas-y. Oh bordel! Ah, il faut quelqu'un de plus lourd. Donc il faut Ghibli. Parce que lui il est plus lourd. Mais non, lui aussi il peut pas. Ah non, faut esquiver. Ah ouais, faut les esquiver. Ok, ok, ok. Et bah, allez. Ok. Et moi qui me dis, ouais, il faut juste un personnage plus lourd. Mais non. Ah, on a eu une carte. Ça, c'est les trucs du forgeron là qu'il faut lui ramener ensuite. Mais je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Je crois que ça nous débloque des armes. Un truc comme ça. Alors. Encore une fois. Du bois pour faire un feu. En ce moment, les petits sont bloqués de l'autre côté. Hop. Hop. Allez. Tac, 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 tac. Allez. Là. Attends, faut lui. Ouais, il y a pas mal de répéter toujours la même chose, l'autre. Ok, ça servait à quoi? Ça va faire. Mais wesh. Ok, je sais pas pourquoi il voulait pas. Ça va faire pousser une plante. Ok. Ah, carrément, ça fait pousser des. Non, ça a cassé les rochers pour que ça fasse des plateformes. Tout va bien. Ah, il faut Legolas. Pourquoi des fois ça fait les deux en même temps et d'autres fois non? C'est chelou.
Ah, ça c'est pour Ghibli. Ouais, là, il va falloir. Vas-y, je te porte. Tous les coups, c'est à toi qu'on va avoir besoin encore. Oh là là. Oh là là, le déluge. Eh, hey, comment ça se fait que je le vois de plus en plus loin là? Oh mon dieu! Il faut quitter la montagne! Prenons par la trouée du rang! La trouée du rang nous rapproche trop d'Isengard! Passons par les mines de la Moria. Laissons le porteur de l'anneau décider. Nous passerons par les mines. Qu'il en soit ainsi. Heureusement que mon personnage principal. Mon personnage préféré a sa voix, parce que ça m'aurait dérangé qu'il lui foute une voix. Rien à voir. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, c'est parce qu'il y a des acteurs qui ont voulu. Qui ont accepté de donner leur voix au jeu, et d'autres non. Mais c'est même pas les acteurs qui. Bah, les acteurs. Les doubleurs qui ont donné leur voix pour le jeu, c'est qu'ils ont repris carrément les répliques du film. Donc c'est d'autant plus débile qu'ils choisissent de le faire pour certains et pas pour d'autres. Je sais pas. Je comprends pas. Alors là, on va devoir faire plein de trucs. Je me rappelle que c'est une phase où on a plusieurs choses à faire. On a ça à faire. On a d'autres trucs aussi avec les prochains personnages. Pour l'instant, on cherche des bouts de bois. Là, je suppose qu'on sera au devoir pêcher. Et ceux qui savent, vous savez très bien ce qu'on va se prendre sur la tronche dans pas longtemps. Ouais, là il faut un caillou. Je débloque plein de trucs en même temps, je fais plusieurs choses en même temps, hein, tant pis. Parce que là je sais pas trop ce que je dois faire vraiment. Donc on va faire un peu tout, et puis on verra bien. Ouais, là c'est pour grimper. Ok. Hey, saute! Ah, c'était obligé. Toujours des endroits comme ça où tu sais qu'il y a un truc qui est caché, c'est pas obligé. Ok, donc là, il faut pousser. Verbe. Ah, ok. Ça doit doubler le passage là. Ah, c'est pour reconstruire la porte. Ok. Donc en plus, on doit reconstruire la porte, on doit faire du feu. Et il y a aussi une histoire dans le loup, il me semble. Alors c'est pour après. Là. Du feu. Bah c'est toi qui peux couper. Genre c'est pas toi qui peux casser ça. Bah tu sers à rien mon gars alors. Ok. Ça va nous servir à quoi? Non, ça servait pas à ça. Ça a utilité, mais. Ah il faut casser ça. Oh mais si c'est juste pour ça, c'est juste un truc pour débloquer alors. Là, il va y avoir un truc pour les Golas aussi, pour celui de truc d'en haut là. Où est la dernière pierre? Voilà, je pense qu'on va avoir un butin.
Voilà. Arrêtez avec ces pierres. Ah, arrêtez avec ces pierres. Tu m'étonnes. Quand tu sais ce qu'ils veulent tomber sur leur tronche, tu comprends. Alors, donc, j'ai eu du feu en plus. Et il m'en manque un. Mais là, on va prendre les Golas. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est. On sait pas. Donc, on va faire ça. Ah oui, je me rappelle. J'avais galéré ce truc là. J'avais galéré. Parce qu'il faut sauter haut. Et en même temps se raccrocher. Voilà, merci. Moi ça tout accroché vite. Parce que la première fois j'avais galéré pendant plus de temps que ça. Hop. Allez, avance. Allez. Et tu bats là. Ah, il va plus vite si on fait plusieurs à coup. Ah, vous pouvez sauter là. Non, ok. Je croyais qu'il y avait un truc. Oui, bah lâche-toi. Et lâche-toi. Et non, mais quitte débile. Il y a une plateforme autour de toi. Lâche-toi, c'est tout. Demande juste ça. Ça va plus vite quand on fait des petits à-coups comme ça. Allez, je crois. Je sais pas en fait. Oh, ok. Ne m'en voulez pas. J'appuie sur B pour lâcher au lieu de sauter. On va le refaire une troisième fois. La la la. En plus j'ai des frises. Je pense que c'est pas encore assez galère. Allez. Mais je veux juste que tu te rattrapes sur le truc. Voilà. Merci. Oh non. Là, faut pas que je me rate. Et allez. Non. Bon, si c'est vraiment je galère trop, je vous ferai une ellipse parce que j'ai pas envie que vous pétez un plomb en même temps que moi. Si je galère trop à le faire. Allez! Qu'est-ce que t'es là? En même temps, ça le fait une fois sur deux, je vous le dis. Mais non! Mais non, mais non, mais non! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allez! Passe-toi. Yeah! Me dis pas qu'il y en a une troisième. Ah non, là. J'ai eu peur. Allez, bim! Du coup, ça répare la porte. Il me manque un bout de bois. Qui a un bout de bois? Je suis sûre qu'il y a un truc qui a un bout de bois. Ça va être comme la dernière fois que je cherchais un truc et puis qu'en fait c'était un personnage qui l'avait. Là, tu peux pas servir à quelque chose, toi? Tu peux pas envoyer genre à... un éclair? Non. Non, c'est pas ça que je... Je cherche un bout de bois. Où est-ce qu'il peut être? On va tout casser, on verra bien. Là. Ce truc là, peut-être casser quelque chose. Je sais pas, je cherche. Cas où, mais bon. On va quand même vérifier si aucun d'entre eux nous doit. Ah
a-t-il? Oh, c'est pas toi que je vais frapper. Ah, il était dans mon nez. Je croyais que c'était un ponton. En fait, non, c'est pas un ponton. Allez, fais du feu, mon gars. Non, pas te porter. Changer. Voilà. En tout cas, ce chapitre, il est long, là. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ah ouais, quand même. Donc c'est pas fini, là. Il est écrit, les portes de Durin, seigneur de la Moria, parlez à mes... et entrez. C'est une énigme. Quel est le mot elfique pour ami? Melon. Et voilà, je l'avais dit qu'on allait se taper un tour sur la tronche. Mais non, c'est pas ça que je vais faire pour... Pierre... Pour Claude. Non, Claude se fait machin. Je crois qu'il faut... Mais sortons d'épée. T'as pas d'épée ou quoi? Wesh, t'as une épée, qu'est-ce que tu fous? Allez, vas-y. Abat-toi. Allez! Mais ouais, j'ai tapé dessus! Je vais mourir. Il me semblait qu'aussi Legolas devait les shooter avec son arc. Ça, c'était d'après. Allez, vas-y. Abat-toi. Viens. Allez, ok. Encore une fois. Allez, viens. Viens. Je t'attends. Allez. Ok, je vais faire quoi alors? Eh, c'est pas toi que je veux taper. C'est lui. Ah, il en reste un, purée. Je croyais qu'il y en avait que 3 là. Bon, toi, il y en a 4 quoi. Allez. C'est bon. Ok, belle bête. C'est genre une pieuvre là, c'est dégueulasse. Ouais, mais je vais te porter toi. Hop. Et là, on se prend des cailloux sur la tronche quoi. Allez, lâche-le. Faut le refaire. Alors là, faut que les glaces. Voilà, je savais qu'il fallait les glaces un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh merde! Tu m'as tué. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah ok, faut recommencer. Viens là. Vas-y, dépêche-toi. Putain, il faut pas le lâcher. Quand on vous disait que Frodon c'était un miskin, c'est pas pour rien. C'est toujours lui qui se fait attraper. Fini là. Ouh. Eh bah dis donc, il était long celui-là. Ouh. Ah, on n'avait pas encore débloqué Gandalf. Et là on les a tous débloqués quand même. Legolas et Boromir. Voilà. Normalement c'est bon là. Ok, cool. Eh ben cet épisode sera super long quand même. Mais bon, vous me direz au moins, vous avez tout le samedi, vous avez tout le week-end d'ailleurs pour regarder. Donc
C'est pas trop grave s'il est super long comme ça. Ah, on en a eu un. Ouais, super. Ok. J'aime bien parce qu'on débloque plein de trucs, mais je sais absolument pas à quoi servent tous ces trucs. Donc, c'est pas trop grave. Je pense pas que ça soit utile pour la suite de l'aventure, donc c'est pas trop grave. Bah écoutez, on va se laisser là. N'hésitez pas à faire comme d'habitude un petit like et un petit commentaire. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Et je vous fais des bisous. Ciao !